Sophie, bonjour, organisatrice service municipal des sports à la mairie de Vendargues, pour nous parler de la 21e édition du Back and Run de Vendargues. Alors même si on n'est pas doué en anglais, on comprend quand même bike and run, vélo et course à pied. 21e, ça veut dire quoi? Au bout de la 21e, on essaye de faire de la nouveauté à l'intérieur de cette course? Alors oui, bonjour, effectivement. Donc l'importance pour nous de se recycler tous les ans sur les événements municipaux qu'on peut organiser. La 21e édition, donc effectivement, on a voulu mettre un petit coup de peps sur cet événement incontournable de la ville, événement sportif et convivial. Donc l'idée était le peps au travers de déguisements ou d'accessoires. Avec à la clé, nous, ce qu'on aspire, c'est que ce soit attrayant et convivial, que c'est aussi un événement familial, donc au travers de déguisements, où le meilleur déguisement recevra donc une montre connectée. Ah oui, quand même, c'est un beau cadeau. Une cadeau de nos nombreux partenaires sur le palcap. Bon, alors, on va planter un petit peu le décor. Bien sûr, ça se déroule à Vendargues. Pour les gens qui voudraient participer à cette course, Vendargues, ça se situe où exactement? Alors, Vendargues, déjà, vous avez la sortie d'autoroute 28 entre Castries et Castries-le-Crès, à côté de Castelnau, Vendargues. L'événement, donc le village d'animation, sera donc à l'espace Lacadoule, donc dans le champ de l'espace Lacadoule, notre village de partenaires et d'animation. Vous avez tous les renseignements donc, sur les différents supports de communication, dont www.sport, ouais. Ou le site de la ville, avec l'adresse, les contacts d'accès. Alors, il y a plusieurs courses. Hein. On rappelle, hein, c'est course à pied et aussi du vélo. Donc, ce sont des duos, c'est comme ça qu'on appelle, non? Alors, le principe donc, du bike and run, c'est que donc, c'est en binôme. Effectivement, donc, on a un binôme, un vététiste et un coureur qui peuvent échanger donc, tout au long de la course. Bien entendu, le vététiste porte du casque obligatoire. On retrouvera donc trois courses familiales pour les enfants, donc du 2 km, donc au sein du village d'animation tout autour. Comme ça, les parents accompagnateurs pourront voir les enfants courir. On a également donc un 6 km, un peu plus convivial, et le 12 km pour les sportifs, un peu plus avéré, où là, eh bien, c'est deux fois la boucle du 6 km. On retrouvera aussi donc, au village d'animation une petite boucle de Drésienne pour les tout-petits qui souhaiteraient participer à la course de Drésienne. Alors, on précise quand même pour les gens qui veulent venir participer, ils peuvent venir bien sûr en famille. Il ne suffit pas d'être un grand professionnel pour essayer de tenter un petit peu l'expérience. Il y a des formalités administratives à remplir si on veut participer. Alors, effectivement, cette année, donc, le Bike and Run a été mis donc, en compétition. Donc, du coup, pour les parcours donc, du 12 et 6 km uniquement, vu qu'il y a de nombreux lots à gagner pour les vainqueurs, premier, deuxième, troisième binôme, binôme mixte, binôme féminin et le plus jeune participant des courses. Pour ces deux courses-là, nous, on demandera donc certificats médicaux pour la pratique du bike and run en compétition, du sport en compétition ou de la course à pied en compétition. Qu'est-ce qui fait que cette course, elle est différente de toutes les autres courses? Elle est différente parce qu'on est dans un site, on va dire un peu dans le cœur de ville et aux alentours. L'espace est bien de la Cadoule où à la fin de la course, les gens peuvent pique-niquer parce qu'il y a des tables, à l'espace La Cadoule, des tables de pique-nique. Le village partenaire avec différents stands autour de la santé. On aura également un pôle santé avec des kinés et où les coureurs, à la fin de chaque course, pourront bénéficier d'un massage ou de conseils. Des kinés qui pourront faire des tests, un peu savoir si les participants qui souhaitent venir sur le pôle sont en bonne santé, on va dire, physique. Des
diététicien, pardon. On retrouvera aussi un pôle multisport où les gens pourront faire un peu du sport multisport avec du tir à l'arc, le molki, un parcours sportif. Après, on a un gros cœur associatif. On a plus de 60 bénévoles qui nous aident à sécuriser le site et à toute l'organisation. Et après, pourquoi venir? Parce qu'ils vont se régaler, parce que ça va être fun cette année, parce que se dépasser ou juste un petit moment en famille sportif, un bel espace, le poumon vraiment du village, le poumon vert du village. Et voilà. Eh oui, non, mais je sais que la question, elle n'était pas facile, hein, bien sûr. Donc, c'est pas vraiment évident, bien sûr, pour y répondre. On sait que lorsqu'on est organisateur comme ça de courses, que ce soit la municipalité ou même des privés, c'est très difficile d'avoir, de faire rester les gens au niveau d'un village, au niveau des départs et des arrivées. On sait que ça peut être un petit peu compliqué. On sait qu'on est obligé de mettre des fois beaucoup d'animation pour que les gens puissent rester un petit peu sur place. C'est le cas pour vous? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites le village, c'est des questions récurrentes que vous vous posez. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre village pour faire en sorte que les gens puissent à la fois voir les coureurs, mais aussi passer quasiment l'après-midi avec? Alors l'après-midi non, parce qu'on cherche à faire rester les surtout à faire venir les gens, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'organisations de courses, donc c'est vrai qu'on essaye de maintenir ce côté un petit peu attractif par rapport aux courses et aussi un niveau parce qu'il y a quand même des sportifs, donc voilà, rester dans cette lignée-là. Après, essayer, les gens qui restent, de trouver, des choses qui pourraient animer, découvrir. C'est pour ça, la découverte sur des produits, les différents stands qu'on peut proposer, d'animation ou des stands on va avoir des produits, on va dire, de santé sur stand de produits à l'aloe vera, des compléments alimentaires naturels. Après, voilà, tout le pôle santé qu'on va avoir. Et aussi, le petit truc, c'est que comme on est accord sur la commune, sur ce partenariat donc avec la Ligue contre le cancer, sur le bike and run, donc 1 € sera reversé donc à la recherche également. Et après... Et alors le côté pratique, je me mets à la place de la famille lambda qui va peut-être vouloir découvrir les 2 km, parce qu'on va dire que c'est le plus simple, hein, il n'y a pas de certificat médical, donc c'est accessible à tous. Les courses, c'est payant, gratuit? Alors c'est symbolique. C'est symbolique sur la commune. On a une inscription à 4 €. Pour permettre à tous les Vendargois de pouvoir accéder à une course familiale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est génial, c'est que, sans parler de notre cœur associatif, où on a beaucoup de bénévoles, mais on a également beaucoup d'entreprises ou d'associations qui sont partenaires avec nous. Donc, c'est vrai que, au travers des récompenses sur les meilleurs coureurs, où on propose aussi une grande tombola avec tombola des coureurs et tombola des bénévoles. Justement, on a quelque chose d'assez sympathique avec une vingtaine de lots. Oui. Donc voilà. C'est attirant, on va dire. Je disais, c'est attirant. Le fait d'avoir des lots comme ça. En tout cas, voilà. C'était la 21e, bien sûr, édition de Bike and Run de Vendargue. C'est ce week-end l'événement à ne pas manquer. À retrouver, bien sûr, l'intégralité de cette interview sur YouTube, Instagram, TikTok, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.